Ang kutyo. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Reprise de l'audience. And the floor was given to Copper to resume the questioning to the expert. La parole est cédée à Maître Copper pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honorable juge, chers confrères. Bonjour, Monsieur Locard. I have 30 more minutes, so. J'ai 30 minutes supplémentaires. Je vais sauter certains sujets. J'ai deux autres thèmes to ask you about. Que j'aimerais aborder avec vous. The first topic is le premier thème to something you said, a trait à ce que vous avez dit on the first day of your evidence at, le premier jour de votre déposition, 13:38. À 13h38, vous avez dit, je cite, « I approached DK from the history of the Cold War. J'ai examiné le Cambodge démocratique dans la perspective de la guerre froide. Everything I could read on these communist countries. J'ai donc lu tout ce que je pouvais sur ce régime communiste. En particulier, you said that the la Chine. Was modeled on China. Et vous avez dit que le KD avait pour modèle la Chine. Does this also mean that you ceci signifie-t-il would consider yourself in a position to say que whether you can put the alleged mass atrocities in the DK that you have talked about extensively in perspective of mass atrocities committed de in comparer les atrocités de masse commises Western states or states supported by the West in the Cold War par rapport aux États occidentaux appuyés par l'Ouest dans un contexte de la guerre froide. Thank you for this question. I thought that we were going to ask, réponse. We are going to talk about merci Mao's pour cette China. Question. But apparently, je pensais qu'on we're going to speak de about Mao, atrocities on during 1975 and 1979, courant committed 75 in the West and by Western countries. Commis à l'Ouest par les pays occidentaux. I know nothing. Sur ce sujet, and je ne sais rien. Studied that. Je n'ai pas étudié ce domaine. I was triggered very specifically from question. Your words. Ma question s'inspire DK, de from the history votre of the Cold War. Expression « Examiner le Cambodge démocratique sous l'histoire de la guerre froide ». That would assume or that would possibly imply that you also have acquired knowledge ce of qui suppose que vous avez mass atrocities committed in des connaissances en ce qui concerne Western les atrocités countries de masse countries supported by the West commises in the framework of, dans les pays Cold occidentaux War. Ou soutenues par l'Occident dans le cadre de la guerre froide. No, I have not. Réponse non. I don't really know what you're talking about. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Let me ask you very concretely question. Where I'm going to. Je vais vous dire concrètement tell you where I'm going to. Où je vais en venir. And that is that's about mass atrocities in a country which il s'agit d'atrocités which was, de masse commises dans un pays relevant to CPK policy, qui était extrêmement pertinent pour la politique du PCK, the policy of secrecy that notamment you also la politique spoke du secret. And that's, dont vous avez parlé. These are the mass atrocities committed in 1965 in Indonesia. De masse commises en 1965 en Indonésie. Do you know anything about that? Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet? I have never specifically studied réponse, that. Je n'ai I pas know précisément that, étudié from ce domaine. Sources, je from sais secondary sources, de sources indirectes ou secondaires the Khmer Rouge were, qu'effectivement very much aware le Khmer Rouge of the massacres était au courant in Indonesia, des massacres covering hundreds of thousands commis en Indonésie of victims. Mostly among the Chinese community in Indonesia, victimes, which dans were la accused massively of having been members of the Communist Party. I just read about d'avoir it été like membre you, like du Parti communiste. Everybody. Je tire and cela I also de mes read lectures. That I think Nguyen Chia was particularly j'ai également aware vu que that
the Communist Party could be destroyed, mainly if the leaders were arrested and destroyed. Si les dirigeants so that is why he was so keen to protect the leadership. Raison pour laquelle but that's barely the West. This belongs to, during the Cold War, the non-allied countries. The seat of the Bandung Conference, which was 1955, 10 years before. So that's not really atrocities committed in the West. But to finish this subject, you're not in a sur position les atrocités commises à l'Ouest you feel yourself to make any comparisons question. In terms of vous scale n'êtes pas en mesure and between etc. Mass atrocities in the DK entre les atrocités is that correct? De masse commises dans le Kampuchea démocratique et en Indonésie. No, I have not studied réponse, really in detail what pas du tout. In Indonesia, je n'ai pas étudié 1965. En détail ce qui s'est passé en Indonésie en 1965. My, second and last subject. Une question, je vais passer à mon deuxième et dernier thème. In, your, sorry, in your book on the sayings of Ankara, 3/2812, at English, 003-94647, Khmer 004, so it's 0081-0744, in French 0039-4994. You say the slogans, quote unquote, strikingly expressed DK policies. De manière frappante, les politiques du Cambodge démocratique. Fin de citation. Can you elaborate on that? Pouvez-vous développer sur ce point? Yes, they constitute a summary réponse, oui. Of what were the main policies de ce of, les of democratic Kampuchea. Du Kampuchea démocratique. I classified my typology was expressed by various, I classified them in various chapters. En the first one chapitres. Were the slogans in praise of the regime. Sont des slogans and à la gloire du I remember régime. That Sihanouk, in his memoirs, je me rappelle que dans les mémoires de insisted Sihanouk, on the fact that ce dernier that a Merouge, insisté sur le fait he que listened to the radio, were particularly self-congratulatory, that they were convinced that they invented se félicitaient a new way of managing a country, which was going pays. To be followed by the rest of the world, qui sera suivi par le reste Cambodia du monde. Would be in the forefront le Cambodia of serait à the struggle, à I wouldn't say for the revolution, but for prosperity. That's one. The second de one la révolution, is entraînant ainsi la prospérité. The slogans are out, les deuxièmes slogans which are inspired to a large extent by sont Mao's own little red book, mesure, and that is, again, as I said earlier, the first public comme lecture that I gave on the tantôt, subject, Khmer slogans and Mao's little red book. Une première and conférence sur ce sujet portant sur le slogan Khmer Rouge et le petit livre rouge de Mao. I realized à cette that Mao's little red book, j'ai which were le petit livre rouge in de Mao, the mid-60s, late-60s, handed by millions of people au début des années 60, enfin des années 60, the world, a été lu par des millions de personnes à travers Khmer le monde. Et ce livre but non quite, quite holy, inspiré hollow, sorry, hollow, represented rouge, philosophically, mais était creux, really very little or nothing. Et en termes philosophiques, il représentait très peu ou rien du tout. How the country was managed. Le troisième slogan à travers l'Ankara. Ankara was the source et le fonctionnement of all du power, pays. L'Ankara était la source de tout pouvoir et de toute affection. Was the equivalent of power, so elle I collected all the slogans around the insightfulness, how clever Ankara was, and how well governed Cambodia was. And then the next was, I think, the hunt for enemies. That ensuite, enabled me to understand how enemies were classified, identified, what happened to them. How they were tortured and so on. Arrivé aux ennemis, la manière dont ils ont été torturés. Perhaps you want me to stop. Peut-être vous voulez que je m'arrête là.
Yes, I apologize for interrupting you, but... Maître Coppe, oui, je m'excuse de vous interrompre. My question, I want you, if possible, to confirm that... Mais je voulais if that's still the case, que vous confirmiez, c'est possible, you confirm that si c'est toujours you can, le cas. Say that the slogan striking the express DK policies que ce slogan without having extensively studied exprime de manière frappante la politique du Cambodge démocratique sans avoir étudié la teneur des standards révolutionnaires ou de la revue Jeunesse révolutionnaire. Est-ce exact? Why should primary sources, revolutionary flag and revolutionary youth should be, pourquoi why should it be the only source of information about DK policies? I had studied and read extensively reports about the Khmer Rouge radio on one hand, and research in any field, you use other people's research too. On s'inspire des recherches d'autres chercheurs. D'autres chercheurs. On utilise également des sources secondaires. Enlightenment or cleverness, you analyze similar sources differently, or you find new sources. And I just build on the work of my predecessors, who are mainly David Chandler, the tragedy of Cambodian history. Tragedy of Cambodian history. Let me illustrate my point on one concrete example. Illustrer mon point par un exemple concret. I already mentioned the Chinese proverb, no gain, on a déjà cité le proverbe chinois, but let me aucun gain, etc. Now something which is very, je vais passer à autre chose. Very much related to democratic Cambodia, qui a beaucoup plus trait au Cambodia démocratique. New people or 17 April people. Le peuple nouveau extensively ou le peuple du 17 avril. Of your book, cela est évoqué au chapitre 5 de votre livre. Vous parlez du peuple nouveau et du peuple du 17 avril. Vous en parlez saying in English 209, en longueur, in French, en anglais page 209, en français 170, page 170. Your book E3/28, document E3/28, 28/12. Saying 209, it says. Le slogan 209 dit. The 17 April people are le peuple parasitic du 17 avril, plants. Ce sont des plantes parasites. The idea of parasites or germs l'idée de parasites belongs ou de germes to a Maoist or Stalinist vocabulary and refers to social, revient, ressort du vocabulaire maoïste ou socialiste. Must be closely watched. Appartiennent à un groupe idéologique eliminated. Qui doit être scrupuleusement surveillé et éliminé en définitive. Commençons par le terme 17 avril. Ce terme ne se trouve nulle part, ni dans l'étendard révolutionnaire, ni dans la jeunesse révolutionnaire, ni dans les dossiers Phibis. Pouvez-vous confirmer ce fait? These publications always refer to new people rather than 17 April people. À savoir que ces publications font référence au peuple nouveau et non pas aux gens du 17 avril. Est-ce que vous pouvez confirmer ce fait? Well, I'm sorry, Nakdopapa Mesa, in Khmer meaning 17th of April people, was the most Khmer common gens du 17 avril, appellation or et c'était l'appellation la plus commune. The most common way of naming the new people. La façon la plus commune de baptiser I heard that throughout the country. Perhaps again, my research is based on what the people were saying. Une fois encore, mes recherches se fondent sur ce que les gens how the people had understood the regime. Comment est-ce qu'ils ont compris le régime? It is not based on academic research, je on book pas research. Sur it's based les recherches on grassroots research, like mes recherches se sont fondées sur les travaux de terrain en tant qu'anthropologue. C'est le terme Nakdopapa Mesa en Khmer. Interruption de maître Copin. Pouvez-vous confirmer que le terme Jean du 17 avril ne se retrouve dans aucune publication? This was not the my choice of sources. My choice of sources were je n'ai pas choisi ces sources. The memory, the brain mes sources of the people. Étaient la mémoire, and the les souvenirs was it des personnes. I heard you say I couldn't care less, correct? Yes.
But let me now go to the content of that saying. Vous avez dit, je ne m'en soucie pas, dit Maître Coppeux. People are parasitic plants. Revenons à ce slogan qui dit que les gens du 17 avril sont des parasites. Ou le peuple nouveau. You said you have studied extensively Maoist Vous dites avoir étudié ideology. Profondément Isn't l'idéologie it true maoïste. The mere fact that the CPK used the word N'est-ce pas un simple people, fait que le PCK utilisait le terme peuple, ce fait n'est-il pas indicatif que le peuple nouveau, par définition, ne pouvait pas être considéré comme des ennemis en tant que tel, parce que le terme chinois signifiant peuple était utilisé. I'm not quite sure that I really understand your question. What je suis pas sûr I know question. Is that in the in DK policies, most of their policies they borrowed from radical Chinese policies. They think the Great Leap Forward and the so-called Cultural Revolution. But they added their own contribution. Mais and the idea ont of divided the country into two castes. They abolished classes, but they created castes. The difference between a caste and a class is that there is social mobility. In your life, la mobilité or sociale. Through generations, you can change dans class. Vie, ou à travers les but générations, on peut changer de classe. And caste, the idea of caste comes from India, as you know. L'idée de caste you are vient born de l'Inde. In a certain caste, comme vous le and savez, you cannot change caste. Caste. On peut pas and changer it de was caste. A little bit like this. When you are a new person, or d'opapel mesa, comme cela, lorsqu'on est un you could officially... You know, in their literature, they say, by education, by taking, you know, a revolutionary way, frame of mind, you could gradually become old people or revolutionary people. In theory, this was the case, and even by the end of the regime, it had been decreed that the distinction was no longer valid. This distinction is, of course, quite outrageous. It entailed marriages, for instance. You could only marry within your own caste. On ne peut se marier revolutionary people marry revolutionary people, caste, and non-revolutionary marry non-revolutionnaires. This is something very specific to democratic C'est quelque Kampuchea, chose de très spécifique and au Kampuchea really, démocratique. Very against equality, basic equality, ceci va equality, liberty, equality, fraternity, what liberté, we believe in France, de la fraternité principe is completely flouted by this idea of separating the 17th of April people. Séparer. On the other hand, they were also, Des the old people were also avril. Called 18th of March. People. Le Why 18th of March, which was the time when Sihanouk was lost mars? Power in 1970, so the Sihanouk people who immediately joined the revolution were the old people on the 18th of March, 1970. Mars, so you had this opposition, 17th of April, 17th of April and 18th of March. I think you misunderstood what I'm trying to say. Vous n'avez peut-être pas As bien you know, compris in China, ce que je voulais dire. China's comme vous le savez, the People's Republic of la Chine China. Était appelée autrefois République populaire if you refer de Chine. To a group as people, si on se réfère à un then groupe per definition, comme you do not populaire, them to be enemies because alors par définition, people in on ne peut pas ideology, le considérer comme étant des ennemis, car dans l'idéologie communiste, dans la perspective is, de Mao, what the revolution is all about. La révolution so as long concerne as le peuple. People, Donc, si people, on parle people, de peuple ou de populaire, il n'y a pas so de peuple du 17 avril ou du peuple de ancien. C'est ce en quoi consiste la révolution. Et c'est la question que je vous pose. Well, that's your interpretation. Réponse. Bien, c'est votre interprétation. Mine, and I don't think it's, et non pas la mienne. Of most historians. Et je ne pense pas que ce soit l'interprétation de la majorité des historiens. You then what Pol Pot himself Alors, je vais said vous soumettre ce qu'a dit Pol Pot lui-même. Vice Premier Chen Yung-kei, lorsque Chen Yung-kei, vice-premier ministre de Chine, a visité le barrage du 1er janvier. You saying, en réponse, that Angkor, vous dites Angkor, sorry, que is l'Angkor God. Est Dieu. I'm referring to, E3/1783.
au document étoile 1783, Euronal anglais 004-9-1-8-1, en français 006-06-766, en Khmer 00659-261. Stories being told about how the Buddhist monks used to say that les God can use, disaient que seul Dieu can dam the Chinit River. Pouvait utiliser le barrage sur la rivière Chinit. And then it says now a dam is there and many old people come to see it. And the secretary Pol Pot puts it well. Comme le secrétaire Pol Pot le dit si bien. Quote, the people themselves are gods. Le peuple lui-même est Dieu. So here you have Pol Pot in the words of. Chinese delegation vous say that the people are God. La délégation générale qui reprend les termes de Pol Pot en disant que le peuple est Dieu et cela inclut le peuple nouveau. Yes, la délégation chinoise reprend l'interprète. C'est bien ce que je disais, ceci fait partie de la rhétorique de l'Empire ou des dirigeants de Kampuchea démocratique, comme l'a dit Nunchia. The farmers always making prayers at the beginning prières, or before, at the end of the dry season for the rain to come. And Nunchi said, rather than making prayers for the rain to come, culture, it's much better disait, to build canals de faire des prières and dams pour la pluie, so that the population has, by their own exertions, at their own work, an abundance of water or having puisse, several crops. Avoir so suffisamment d'eau. There's nothing objectionable et about obtenir that, no de nombreuses récoltes. Il n'y a pas d'objection sur ce point. Still talking about et cela ne pose enemies. Pas de problème. Je vais avancer dès maintenant, toujours sur la question evidence, des ennemis. Le deuxième jour de votre déposition, in the morning, à 9h18 du matin, in, DK, vous avez dit que sous le Kampuchea démocratique, worms. Les ennemis étaient qualifiés de vers. You refer to April people being called parasitic plants. Vous parlez and in des your, gens du 17 avril qui étaient qualifiés article, de plantes parasites. The Khmer Rouge et dans votre article, le Goulag Khmer Rouge, le 3 bar 2811, Irène en anglais 0039-4609, en Khmer 008-2-2-600, en français 0079-6286. You refer to enemies and to a speech of Pol Pot. Vous parlez des ennemis et d'un discours de Pol Pot. About him using the word microbes. Dans lequel il a utilisé le terme microbe. Vous dites, je cite, although great victories were always gained over these microbes, même si des grandes they kept victoires étaient remportées sur ces microbes, like ils ne cessaient de proliférer comme and, un cancer. The 1 or 2% reactionary elements 1 ou 2% des éléments réactionnaires. Ever been entirely wiped out n'avait jamais pu in spite of continuous wave of ferocious totalement repression. Éliminé malgré les vagues incessantes de répression. Writing about, vous souvenez-vous the microbes speech, avoir so to say? Écrit au sujet du discours sur les microbes, si je puis ainsi m'exprimer. Yes, of course. Réponse. And oui, bien even sûr. That, in my last book, pourquoi les Khmer Rouges? Dans why the Khmer Rouge? I have a whole page, Rouges, j'ai toute une page about the various expressions, aux diverses expressions, images, images comparisons that were used to designate people for pour désigner elimination. Des personnes and devraient être these éliminées. Terms I took from the writings of Steve Hedder. Je tire ces termes and I have half a page et j'ai une demi-page of terms of abuse de termes against the enemies in general. Contre les and ennemis I have en another général. Half a page et j'ai une autre demi-page about how to eliminate them, sur la manière sweep them clean, de les éliminer, and, les balayer proprement, so on. So, etc. I'm not the only one to comment on that. Je I ne think suis pas everybody le seul. Has. Avoir commenté and if you're on the sur ce list, sujet, beaucoup again, de personnes I l'ont fait. Many books, but si vous voulez une liste complète, j'ai de nombreux rouge. Ouvrages, mais je n'ai pas mon livre « Pourquoi les Khmer Rouges » avec moi ici, exact, et je ne peux pas vous donner la référence but exacte. It's in both editions of my mais books, cela se trouve and dans les deux éditions de mon livre, et c'est un recueil assez impressionnant.
So did the question. So did the use of words like l'utilisation des termes tels que microbes, viruses, ou virus, or parasites, ou cancer, parasites. Is that something which you would consider slogans, quote unquote, that strikingly express peut-elle être DK considéré policies? Comme étant des slogans qui expriment de manière frappante la politique du Cambodge démocratique? Yes, of course. Réponse. Before oui, eliminating sûr. The people, avant d'éliminer they had to be excluded gens, from mankind. Ils devaient être exclus de l'humanité. Monsters, pour there were insects, there were c'était chling, des insectes, blood, des chlings, bloodsuckers, and so on and des so on. Sangsues, etc. Well, let me read to you. La défense. Je vais vous donner lecture. Something and then I would like to ask your reaction. Et j'aimerais vous demander de réagir. It's a citation. C'est une citation. We will continue to cleanse the virus. Nous continuerons à nettoyer les virus. All state institutions. De tous les organes de l'État. Because this virus. Car ces virus. Has spread. Se sont propagés. Unfortunately, like a cancer, this virus tel un cancer, has enveloped ces virus the state. Ont enveloppé l'État. Ont envahi l'État. Fin de citation. Uttered this particular quote? Savez-vous qui est l'auteur de cette citation particulière? Sorry, I cannot recollect. Réponse. Je suis désolé, mais je ne m'en souviens pas. But does it sound like a slogan strikingly expressed during DK? Cela ressemble-t-il à un slogan énoncé sous le Cambodge démocratique de manière frappante? Pendant que le témoin right now, réfléchit, donnons-nous la référence, question, dit juge Fens, maître Coppel. Je le ferai so does this, en donnant la source. This quote, this slogan strikingly express, après la réponse du témoin. Policies? Alors, est-ce que c'est ce slogan exprime de manière frappante la politique du Cambodge démocratique? Well, this quote is definitely not a slogan, cette citation but n'est part, en définitive pas un slogan. A speech cela or fait partie recommendation, d'un discours, je suppose, on ou d'une recommandation some person in position of power. De la part de dirigeants au pouvoir. Well, that is indeed correct. Question. It was, c'est en effet exact. A quote from, c'est une citation two weeks ago, President Erdogan, du président while addressing the opposition Erdogan, il y a deux ans, lorsqu'il s'adressait. Il y a deux semaines, lorsqu'il s'adressait à la population en Turquie. The chamber now hands le président, to the defense team for la parole est à présent passée à l'équipe de défense expert. De Kyesampan pour interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, thank Monsieur Locard. President. Good afternoon, everyone. Donc, good afternoon, je m'appelle Anta Guisset, je suis co-avocat international de Monsieur Kyesampan et je... vais prendre la suite de mon confrère. Je vais vous demander de faire particulièrement attention parce que nous parlons tous les deux français et qu'il faut bien que tous les deux nous pensions à marquer une pause pour qu'il y ait le temps de la traduction. Donc je vais essayer de suivre ce conseil également. Je voudrais revenir sur, très brièvement sur le choix que vous avez indiqué avoir fait essentiellement axer vos recherches sur ce que la population avait compris de la politique du Cambodge démocratique, notamment au travers des slogans. Et comme l'équipe de Nongshua, nous avons fait le détail, nous avons recherché dans vos différents ouvrages, donc que ce soit le petit livre rouge de Pol Pot, pourquoi les Khmers rouges et éventuellement les autres articles, quelles étaient les sources contemporaines que vous avez utilisées. Et effectivement, il y avait très peu d'étendards révolutionnaires, il n'y en a eu qu'un pour pourquoi les Khmers rouges. Et je voudrais des précisions sur certains ouvrages que vous avez mentionnés. Premièrement, dans Pourquoi les Khmers rouges, dans vos notes de fin, vous citez un livre que vous appelez le livre noir. Et en auteur, vous mettez Pol Pot. Je voudrais savoir si
Il s'agit du livre noir tel que nous le connaissons dans ce dossier, à savoir le document E3/23, qui est le livre noir fait épreuve des actes d'agression et d'annexion du Vietnam contre le Kampuchea. Et peut-être avec l'autorisation de Monsieur le Président, si Monsieur ou Madame l'huissier peut remettre la première page, que Monsieur Locard puisse confirmer que c'est bien sur cet ouvrage qu'il a travaillé. Le Président, allez-y. Yes, you may proceed. C'est la première page de l'ouvrage, mais est-ce que on est d'accord que c'est ce livre sur lequel vous avez travaillé qui évoque, qui a priori émanerait, c'est ce qu'on a entendu devant cette chambre du ministère des Affaires étrangères? Oui, bien sûr, c'est de ce document que je parle. Yes, of course, j'ai d'ailleurs la photocopie complète dans mes notes ici au Cambodge. Ce n'est pas la même édition que celle-ci, puisque je vois que c'est une réédition en France du même ouvrage. Ce n'est pas vraiment un ouvrage, c'est un long article, je veux dire. Ce n'est pas vraiment un livre, mais ça a été publié. On dit que c'est Pol Pot qui en est l'auteur. C'est un point de précision et vous avez longuement évoqué les FBIS, que nous avons aussi beaucoup utilisé devant cette chambre. Ma première question sur ces émissions de radio qui ont été diffusées et qui étaient entendues par l'étranger, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces émissions de radio sont essentiellement des émissions de propagande ou des discours qui sont à la fois à l'attention de l'intérieur pour les moments de cérémonie, mais également à l'attention de l'extérieur pour ceux qui suivaient les émissions de radio du Kampuchea démocratique? Bien évidemment, ces émissions n'étaient qu'un instrument de propagande, surtout à des destinations de l'étranger et des cadres du parti. La population dans son ensemble, de temps en temps à l'occasion de meetings où on pouvait leur faire entendre des morceaux de ces émissions, mais dans l'ensemble, la population n'entendait même pas la radio du régime. Un certain nombre de personnages au ministère de l'Intérieur, il y avait le ministère de l'Information et de Propagande qui devait être responsable, et je sais que Sung Sikun a travaillé pour ce genre d'émission, et que ça donnait lieu à un gros travail de traduction, puisqu'il fallait que ce soit, l'original était en khmer, il fallait faire des traductions en français, en anglais, je crois que c'est tout, mais enfin, ça représentait un gros travail aux affaires étrangères, au ministère de la Culture. Mais la population elle-même, on l'entendait très peu, ces émissions. Donc, en matière de masse de documentation d'époque que vous avez utilisée dans le cadre de vos différentes recherches, l'essentiel, c'était donc les témoignages, ça on a bien compris sur la question des slogans, et après au niveau des documents d'époque, c'est essentiellement la propagande, c'est-à-dire ce que le Kampuchea démocratique donnait à l'extérieur, est-ce que vous convenez avec moi dans ces conditions que vous avez peu travaillé sur les documents plus secrets et plus en relation avec le travail derrière, le travail de l'ombre, et que ce n'est pas votre domaine d'intervention dans le cadre de vos recherches. Ceci est parfaitement exact, d'autant plus que les autres personnes qui ont travaillé sur le Kampuchea démocratique, je pense surtout à David Chandler et Steve Hedda,
avait utilisé toutes ces sources. En particulier, David Chandler a publié un livre, Pol Pot Plans où on a là un certain nombre de documents essentiels expliquant la politique du Kampuchea démocratique dans sa version en anglais. Donc ça, c'est des sources primaires. C'est un volume important. Il y a aussi dans cette collection un deuxième volume. Donc c'est dans leur traduction en anglais que j'ai pu les utiliser. Mon souci a toujours été de faire œuvre originale et ne pas nécessairement dupliquer le travail qui avait été fait précédemment à moi. Nous allons revenir un petit peu plus tard aux travaux effectués par d'autres auteurs qui se sont, eux, particulièrement plus intéressés à des documents d'archives de l'intérieur du Kampuchea démocratique. On en reviendra un petit peu plus tard. Pour le moment, je voudrais quelques questions complémentaires sur les archives de centres de sécurité sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition, à savoir que, en ce qui concerne les archives papier, les seules que vous avez pu étudier étaient celles de Krang Tachan, telles que vous les avez obtenues de votre ami qui était chercheur au DCCAM. En effet, à quoi bon répéter le travail qui avait été fait fort bien par des quantités de chercheurs, et je pense surtout à David Chandler, qui a écrit un livre complet sur S21. Pourquoi est-ce que j'aurais été contrôlé ou dupliqué le travail de David Chandler? Au moment où j'ai fait cette étude globale, ça fait quand même, je sais pas, 30 ou 40 pages, une synthèse de mon étude des archives de Kampuchean avec l'aide de Cambodgiens. Là, je crois que j'étais le premier à le faire. Ma question n'était pas tellement pour faire référence à S21, mais plus par rapport à d'autres archives. Simplement, on est d'accord que les seules archives disponibles sur les centres de sécurité sur l'ensemble du Cambodge, celles auxquelles vous avez eu accès, c'est simplement Krang Tachan. Vous n'avez pas eu d'archives papier d'autres centres de sécurité. Alors, je suis aussi allé à S21. I also did go to S21. J'ai fait faire un certain nombre de photocopies de personnages qui m'intéressaient. D'abord, c'était les étrangers, deux Américains. J'ai fait aussi les archives de Taïa, parce qu'il venait du nord-est de Ratanakiri. Donc j'ai photocopié un certain nombre d'archives de personnages que je connaissais. J'avais cherché celle de Chao Seng, mais c'est que des années plus tard, c'est tout récemment que j'ai appris que Chao Seng, sa confession avait été placée sous un autre nom. J'ai d'ailleurs été un petit peu déçu par sa confession, parce qu'en fait elle est assez brève. Il nous dit qu'il était un espion du SDEC, des renseignements français, mais c'est tout. Donc je n'ai pas appris grand-chose par la lecture de la confession de Chao Seng. Excusez-moi, je vais faire comme les autres parties. Malheureusement, notre temps est compté. Donc, j'essaie de poser des questions précises. En fait, ma question n'était pas de savoir si vous avez consulté des archives à S21. C'était de savoir, en dehors de Krang Tachan, celles que vous avez consultées sur les autres centres de sécurité en dehors de S21. Est-ce que nous sommes d'accord que vous n'avez consulté que Krang Tachan? Outside of S21 and outside of Krang Tachan, you did not consult any other archives. Is that correct? J'ai passé toutes les années 90 à chercher des archives et je n'en ai jamais trouvé. Vous avez évoqué la difficulté, effectivement, d'obtenir des archives, notamment parce qu'un certain nombre d'entre elles auraient été détruites par le nouveau pouvoir après la chute du Kampuchea démocratique. Donc ma question est de savoir, quand vous faites des généralités, par exemple, vous avez évoqué dans le cadre de votre
interrogatoire par le coprocureur que le fonctionnement général, et ça, j'ai cru comprendre que c'était une conclusion sur l'ensemble du territoire, que le fonctionnement des centres de sécurité au niveau des interrogatoires, c'était une personne qui interrogeait, une personne qui prenait les notes et une personne éventuellement qui donnait des coups ou pratiquait la torture. Ma question est donc la suivante. Est-ce que ce sont des conclusions que vous tirez de l'exploitation des archives à Krangkachan et S21 éventuellement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous tirez d'autres sources? Et si these conclusions that you've drawn from other sources, and if it's from other sources, which ones? Oui, si on regarde les archives écrites qu'on a, on n'a pas énormément de renseignements sur ce que vous venez de décrire. C'est évidemment par les témoignages des victimes, des interrogateurs et des interrogateurs que j'ai pu savoir comment ça se passait. Étant entendu toujours que c'est Mungson et son épouse Pali, qui m'ont donné la clé qui a ouvert à ce monde mystérieux et que pratiquement personne ne connaissait. Et c'est pour ça que je me suis, dont j'étais informé en 89 et 90. J'étais en Angleterre l'été, donc je suis pas venu ici, mais en 91. Dès 91, j'ai fait le premier tour du Tommy Sap et j'ai parcouru pas mal de provinces. Et à mon horreur, je dois découvrir que ce que je croyais exceptionnel dans le district de c'est hélas la norme dans tous les districts et provinces que j'avais parcourus. Répondant à mon confrère de la partie civile, vous avez indiqué que selon le produit de vos recherches sur ces centres de sécurité, ils étaient essentiellement rattachés aux districts. C'est ce que j'ai compris de votre déposition. Est-ce que vous pouvez indiquer si vous avez fait des recherches particulières sur les responsables de ces districts, quels étaient leurs noms et comment ils fonctionnaient au niveau du Kampuchea démocratique? En effet, dans mes notes et plus peut-être dans mes cahiers que dans les synthèses que j'ai données au tribunal, il y a beaucoup de noms, ta ceci, ta cela, quelquefois c'était les mêmes des chiffres. Étant donné que ces noms étaient des noms révolutionnaires, ça ne correspondait pas nécessairement à des noms de l'État civil. Mais étant donné que moi, je n'étais pas chercheur du tribunal, un chercheur, disons, indépendant, et qui voulait faire une investigation sur les prisons derrière S21 et les prisons derrière la commune populaire qui était déjà un lieu d'enfermement. Je n'ai pas cherché à identifier exactement quels étaient les personnages. Ça m'est arrivé parfois de trouver des personnages qui avaient encore des responsabilités politiques aujourd'hui. Des personnages que je crois qu'il est inutile de nommer puisqu'ils ont déjà été nommés plusieurs fois par vous-même ou par les avocats de la défense. Mais il faut quand même savoir. Étant donné, et ça c'est quelque chose que je souligne, que j'ai souligné de nombreuses fois, que la répression s'est abattue essentiellement et en premier lieu sur les Khmer Rouges eux-mêmes. Donc il serait extrêmement difficile maintenant, plus de 30 ans après, 79, ou je ne sais plus où on en est le calcul, 35 ans après, de trouver des chefs de prison ou des chefs de district encore en vie. Premièrement, peut-être puisqu'il y a eu des purges internes, ceux qui étaient responsables de district ou responsables des prisons ont eux-mêmes été exécutés et purgés par les Khmer Rouges. Et puis, avec les années qui sont passées, maintenant, il en reste, je pense,
très très peu et pratiquement plus. À l'audience de jeudi, donc le 28 juillet 2015, un petit peu après 14h04 et 51 secondes, vous avez dit ceci. Il y a certes quelques criminels qui ont été arrêtés, placés en détention à Trinh-Tat-Chan, des cadres Khmer Rouge qui avaient accusé trop de gens. Fin de citation. Je voudrais savoir ce qui vous fait dire ça et est-ce que vous vous souvenez de quel cadre Khmer Rouge avait accusé trop de gens? Oui, là c'est dans ma synthèse. Je ne sais plus combien c'était, c'était deux ou trois personnes, enfin au moins une en particulier. C'était donc vers, je crois que c'était peut-être en 77-78, donc dans les dernières phases du régime. Effectivement, quand. Mais ça, on était dans la région des Nerdeï, du sud-ouest. C'est évident que. Quand il y a eu les purges qui ont commencé avec Khoitun dans le nord, centre, après que se sont étendus au nord-ouest, et ensuite l'ouest, ensuite l'est et le nord-est. Dans un premier temps, il a été proclamé que, effectivement, les responsables qui ont été purgés avaient tué trop de gens, étaient des criminels, et qu'on allait les remplacer par des nouveaux, c'est-à-dire essentiellement les Nerdeï, les gens du sud-ouest, les gens de Tamok, et qu'ils allaient être plus gentils. Or, en relisant en détail toutes mes notes de Beaupier, j'ai constaté que dans beaucoup d'endroits, on avait proclamé que tout allait aller mieux, qu'il y aurait moins de purges, qu'on allait manger mieux, etc. Mais les gens ont très vite déçu parce qu'en réalité, les Nerdeï étaient aussi cruels, sinon plus, que les groupes précédents qui avaient été purgés. Et est-ce que vous vous souvenez de noms particuliers, de cadres qui avaient été arrêtés et accusés de cruauté particulière? Oui, c'est dans mon article sur Khoitun. Ils sont identifiés par le nom en langue anglaise, en langue khmer, leur âge, leur origine, d'où ils venaient. On n'a pas le temps parce que l'heure passe, l'heure tourne, mais vous pouvez vous référer exactement. Je ne me souviens plus si c'était un ou deux ou trois personnes. Parmi les genres de prisonniers qu'il y avait à Khoitun, il y avait effectivement un, deux ou trois criminels. Ce que nous, on appellerait criminels. What we would call criminals. Et vos sources sur ce point, c'était les sources documentaires, à savoir les rapports, les interrogatoires, ou des choses qui pouvaient être, avoir été obtenues à la suite de tortures, ou est-ce que c'est des témoignages autres? Torture, or were these other testimonies? Non, d'après mon souvenir, c'est les archives de Khoitun. Alors évidemment, auprès d'un tribunal, ça n'a pas de valeur de preuve puisqu'ils ont été obtenus par la torture ou se menace de torture. Ou alors non, ça dépend si c'est des comptes rendus d'interrogatoire ou si c'est des notices biographiques qui accompagnaient, je crois que c'était les notices biographiques qui accompagnaient les prisonniers. Précisément sur ces notices biographiques, comment avez-vous su que c'était des notices biographiques qui arrivaient avec la personne au centre de détention? Center.
Eh bien, c'est une question à poser à Ben Kiernan, parce que c'est lui qui a trouvé ses archives. Mais on peut évidemment fortement supposer que puisqu'il les a trouvées à Kankachan, elles étaient bien là et qu'elles n'avaient pas été rajoutées par je ne sais pas qui, manipulateur du régime du People's Republic of Cambodia, de la République populaire du Cambodia. En fait, je fais une distinction entre les notes d'interrogatoire et les notices biographiques, puisque vous-même vous faites cette distinction-là en disant qu'il y en a qui auraient été rédigées à Kankachan sur place et qu'il y avait des documents avec lesquels les détenus arrivaient au centre de détention. Donc ma question est de savoir comment est-ce que vous savez qu'il y avait une différence entre ces deux documents et que ces notices biographiques n'avaient pas été faites sur place. Information was not written at Kankachan on site. Alors, je le sais sur d'une part, évidemment, puisque ces notices se trouvaient à Kankachan et qu'elles ont été recueillies par Ben Kiernan, mais surtout, je le savais, parce que dans tout le pays, les gens qui arrivaient dans une prison avaient un dossier sur eux. Ils n'arrivaient pas les mains vides, avec les mains attachées derrière le dos, parce que, encore une fois, le régime du Cambodge démocratique était, contrairement à la tradition cambodgienne, était un régime pas simplement de tradition orale, mais écrit, et tout était écrit. Alors ça, c'était une question qu'on a beaucoup posée à Deutsch, et je crois que là, ce n'était pas toujours très, très clair, ces réponses. Si, évidemment, s'il y avait des dossiers, des notes biographiques sur les personnages qu'on envoyait à S21, ou si elles avaient été établies à l'arabique au début, au moment où on prenait la photographie, pour leur demander leur identité, etc. Ce n'était pas très clair pour moi à S21, enfin, ça l'est peut-être pour le tribunal. Mais par contre, pour les prisons de province, c'est absolument certain que les prisonniers arrivaient avec un dossier, puisqu'ils avaient, pour deux raisons. D'abord, au départ, la plupart des prisonniers étaient des 17 avril, ou le peuple nouveau, comme vous préférez qu'on les appelle. Et pratiquement chaque membre des peuples nouveaux, on lui demandait de rédiger sa propre autobiographie. On demandait aussi à chaque membre du parti de rédiger sa propre autobiographie et de répéter l'opération une ou deux années plus tard. Peut-être le peuple ancien a peut-être échappé plus à cette pratique. Donc les gens qui étaient d'origine de peuple nouveau avaient déjà au sein de la commune populaire une note ou un dossier sur eux. Et s'ils étaient arrêtés, à ce moment-là, ils étaient toujours interrogés dans le poste de police local. Donc ça se rajoutait à ce qu'on avait déjà. Donc ils étaient accompagnés d'un dossier. Et là, je suis désolée, j'insiste. Parce que je voudrais être sûr de comprendre le fait que ces prisonniers arriveraient avec des biographies déjà établies. Vous l'avez lu quelque part? Vous l'a dit? Je ne comprends pas. Vous me faites une description, mais je ne comprends pas quelle est la source de votre affirmation. La source, c'est mes multiples témoignages. Les gens disent, on m'a arrêté un soir, on m'a emmené au poste de police et on m'a interrogé. Il y a quelqu'un qui prenait les notes quelque part. Maintenant, c'est très difficile de généraliser sur le Cambodge démocratique, puisqu'une fois encore en plus, c'était l'anarchie et le chaos. Dans certaines occasions, on a pu emmener, c'est le cas de Nungson. Il a été arrêté chez lui un soir à nuit tombée et il croyait qu'on l'emmenait à Kampong Som, à Sihanoukville. Et puis la voiture a bifurqué vers le nord et non pas vers le sud et l'a emmené à Tanay. Lui, il n'est pas passé par un poste de police. Voilà. Donc, mais je pense que sur Mungson, on avait déjà des renseignements et qu'il a dû être, quand on l'a amené à Tanay, il devait y avoir déjà des papiers, puisqu'il avait fallu qu'il rédige son autobiographie.
Au niveau des archives de Krang Ta Chan spécifiquement, vous avez évoqué le fait que vous n'avez eu accès qu'à des photocopies. J'ai entendu votre explication sur laquelle il faut demander à Ben Kernan, parce qu'a priori ce serait lui qui aurait eu ces documents en main le premier, avant même le DC-CAM. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez le souvenir, lorsque vous avez consulté ces documents, d'avoir vu des chiffres sur le nombre total de prisonniers à Krang Ta Chan. Bon, je n'ai pas reparcouru tout le dossier de d'archives que j'ai, de copies de Krang Ta Chan avant de venir. Vous m'avez donné beaucoup de documents à lire et j'ai bien travaillé, maître. Pendant le week-end, j'ai relu tout ce que vous m'avez donné à lire. Vous ne m'avez pas dit qu'il fallait que je révise aussi les archives de Krang Ta Chan. Mes souvenirs, c'est qu'effectivement, il y avait des listes, mais je ne crois pas me souvenir qu'il y avait. Il y avait des listes de prisonniers, des colonnes. Mais est-ce qu'il y avait des chiffres totaux? Je ne me rappelle pas. C'est moi qui ai fait le total, je crois, de noms qui étaient évoqués. Je crois que j'étais arrivé au chiffre de 477, si je me trompe. Donc ça faisait un peu moins de 500 personnes, qui était très très loin de pas du tout être la totalité des personnes qui étaient passées par Krang Ta Chan. Je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, qu'on puisse vous remettre une page d'un document E3-2107. Qui est une mention manuscrite sur laquelle nous avons eu à faire une requête, mais qui évoque un nombre de personnes, et je voulais savoir si vous avez le souvenir d'avoir vu ce document. Donc c'est le document E3-2107, ERN en Khmer 00068049, en français 00655725, et en anglais 00290205. Si on peut remettre le président, allez-y. Yes, you may proceed. Et pendant que le document est remis à Monsieur Locard, je précise que sur la version en anglais, on a une mention, et je vais la lire en anglais, une mention de l'équipe de traduction qui dit que la mention manuscrite apparaît sur une page séparée. Et c'est dit exactement à l'ERN que je viens de citer. Separate page, scribble note, not in the... distinct, note... gribouillé, not in the handwriting of the rest of the document. L'écriture manuscrite du reste du document. Fin de citation. Donc, je sais que ce n'est pas forcément évident de se souvenir de tous les documents que vous avez consultés sur Krang Ta Chan, mais est-ce que vous vous souvenez avoir vu ou avoir eu accès à cette note, à cette page séparée d'un document avec cette écriture particulière mentionnant le chiffre de 15 000 ennemis? Oui, effectivement, il y a bien le chiffre de 15 000 ici en chiffre arabe. En fait, ma question n'est pas de vous faire confirmer ce qui est écrit, mais de savoir si vous aviez eu ce document. Je ne me rappelle absolument pas. Ce qu'il serait utile, c'est que j'aille à S21 ou à DC-CAM avec ma collection de photocopies et voir si elle est complète, si ce document en khmer ne me dit rien du tout, parce que j'aurais certainement essayé de le faire déchiffrer.
to understand c'est une écriture, on voit bien que c'est 103 de la région... bon, c'est bien 803, je sais pas. A priori, c'est marqué la région 105. En fait, 105, ma question... pardon, 805. It is written 105. Bon, non, ça ne me dit rien. Ça me dit rien. No, that doesn't mean anything to me. Si ça ne vous dit rien, je vous passe, well, je ne vous pose pas de questions supplémentaires sur le sujet. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur la question de la difficulté d'avoir des archives, de la destruction des archives et également de la propagande qui a pu avoir lieu sur les chiffres ou sur le type de document qui était utilisé par les chercheurs juste après la chute du Kampuchea démocratique. Vous avez entendu un certain nombre de témoins juste quand vous avez commencé vos recherches et vous avez fait un rapport, notamment le rapport E3-2071 sur intitulé Notes de recherche sur les réseaux du Kampuchea démocratique région Nord-Ouest. Et comme vous l'a fait remarquer mon confrère tout à l'heure, vous avez à plusieurs reprises dans ce document, et notamment à la page en Khmer 00233387, et ça se poursuit sur la page suivante, à l'URN en français 00292779, et à l'URN en anglais 00873306. Et vous faites des commentaires en fonction de ce qui vous est rapporté. Et là, par exemple, vous dites « C'est la propagande habituelle du RPK et les témoins se croient-ils obligés de le répéter ou y croient-ils vraiment ?» Un autre commentaire que vous mentionnez dans un autre rapport, ou plutôt le même rapport à une autre page, document en français 00292788, ERN en anglais 00087316, et ERN en Khmer 00233403. Vous évoquez un chiffre qui vous est donné et vous dites au cours de la période de Heng Samrin, le nombre de personnes exécutées sur ce lieu aurait été de 50 000. Et entre crochets, votre commentaire est l'estimation du DCCAM tourne autour de 20 000 à 25 000. Fin de citation. Je vais tout à l'heure vous confrontez encore à un autre passage d'un autre rapport, mais de façon générale, comment cela se passait-il pour vous lorsque vous travaillez sur des documents ou sur des informations, vous évoquez des chiffres? Comment est-ce que vous preniez en compte ces chiffres et comment vous les confrontiez et à quoi vous les confrontiez? Oui, alors les chiffres qui ont été donnés par les autorités de la République populaire du Kampuchea démocratique étaient souvent tellement extravagants que même DCCAM, qui était moins prudent que moi, trouvait que c'était très probablement exagéré. On a cité dans ce tribunal, c'était Kassavut, l'avocat de Deutsch qui a évoqué des prisons où on allait exécuter plus de 100 000 personnes. Je peux vous garantir que ces chiffres sont complètement fantaisistes et qu'ils n'approchent en rien la réalité.
figment of his imagination, and it has nothing to do with reality. Le plus grand nombre d'exécutions a pu se passer du côté de Krolang, province de Siem Reap, ou de Sisopon, où effectivement l'ensemble de la population était considérée comme tout à fait l'ouest du pays, comme peuple nouveau. Donc la répression était plus semblante. Alors, surtout, alors, ces remarques, je pense qu'elles doivent dater du début des années 90. Vous ne me donnez pas les dates, parce que chaque fois je mettais les dates de mes interviews. Je pense que c'est plutôt dans les débuts de mes recherches. Donc, moi, formé par un peu par Jean-Luc Tomnac, qui est un spécialiste de la Chine et qui m'a toujours recommandé, il était mon jury de thèse, d'être très prudent dans les chiffres qu'on avance. J'ai plutôt tendance, et d'autre part, je sais comment fonctionne la mémoire. Plus les années passent, plus les chiffres se gonflent. J'ai toujours eu tendance à plutôt minorer quand on me demandait de donner des hypothèses basses et des hypothèses hausses. Autres, j'ai toujours pris plutôt l'hypothèse basse. Qui me paraissait probablement plus proche de la réalité. Je crois que, comme je l'ai expliqué, il y avait un certain nombre d'indices qui nous permettaient d'identifier l'importance de ce lieu de torture, d'interrogatoire et d'exécution, avec d'une part, je ne l'ai pas dit la première fois, mais c'est les locaux, l'importance du nombre de prisonniers qu'il pouvait y avoir, et puis les mouvements, comme je l'ai indiqué plus tôt, le nombre de prisonniers qui pouvaient être amenés chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, et également la durée d'existence de telle ou telle institution. Sachant que je n'ai jamais pris pour argent comptant les chiffres donnés par la République populaire du Cambodge. Il faut dire que dès après la mise en place d'un régime pluripartite et la nouvelle constitution, les autorités étaient moins soucieuses de s'intéresser au Kampuchea démocratique, surtout depuis le retour de Sihanouk. Et là, j'avais de moins en moins affaire aux autorités. Monsieur le Président, je vois l'heure. Peut-être que vous voulez marquer la pause maintenant. Monsieur le Président, je voudrais préférer que nous prenions la pause. Monsieur le Président, merci. Merci à l'expert. Nous allons observer une pause jusqu'à 15 heures. It is now time for a break, and the chamber will take a break from now until 3 p.m. Veuillez accompagner l'expert in the waiting room during the break time and invite him back into the courtroom at 3 p.m. The court is now in recess.